Les News ATP, nous arrivons actuellement sur un lieu gardé top secret. Ah, et nous sommes ici en présence de nos amis. Hey, Gibbs de Za. Bonjour, mon Gibbs. Ça va? Et toujours dans la famille de Za, Alora de Za, Dani. Comment ça va? Ça va pas? Impeccable. Caméraman. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Je viens de poncer le cache du volant. Ah, tu ponces. Pour le repeindre. C'est-à-dire que, ouais. Suffit de... C'est ça que j'ai cherché. Quoi? Là, tu es en shifter. Remonte. Ouais. Oh, voilà, c'est ça. Là, t'es bloqué. Ouais, et tu fais au bas. 1, 2. Oh là là. Mais quelle merveille. Si tu fais ça, normalement, tu as en plus, tu vois, ta première, toute deuxième. T'as les vitesses, quoi. Troisième. Mais on est en 2023, les mecs. Là c'est le même Vin Diesel, il est jaloux. Tu l'as pas su, la Vin. Hein? Bon, et ça, comment on joue? On joue comme ça? Ouais, il est à côté. Ouais. Ah, c'est plus facile. C'est ce sur quoi vous bossez actuellement. Ouais, alors c'est pour le cache, principalement. Ouais, c'est pas la version définitive, hein, du volant. Hein. D'accord. C'est pas la version... Là, Jamy, je vais essayer. Et il va enlever complètement la garniture. Ouais. Il va remettre donc une garniture complète. Et il va le cercler en cuir. Surpiqûre qui va bien. En cuir naturel, pure vachette. Ah, on verra ce que ça donne. Parce que le problème, c'est que voilà, on voit bien que. Bon, c'est pas très. Bah, il y a un petit défaut, ouais. Et puis là, ça. Tu vois, là, tous les plis, là, ça me plaît pas, quoi. Non, mais c'est jouable, de toute façon. Oui, c'est jouable. Ce sera comme ça pour le 6 janvier. Mais... Ouais. Les haut-parleurs. Les grilles, hein. J'ai senti ça complètement. Je les ai retapées parce qu'elles étaient enfoncées. Il y en a une qui tenait plus. Je les ai collées, je les ai repeintes, repoussées. Enfin bref. Voilà. J'ai pas fait ça par contre. Hein. Ça, c'est plus tard. La restauration du panneau lui-même. J'ai juste lavé, mais je l'ai pas restauré. C'est pour ça que là, tu vois, il y a encore des traces de ponçage. Ce sera gommé. Là, il y a le cache qui vient. Là. C'est pour ça qu'on verra moins la misère, là, les vis. Ouais. C'est un cache qu'il faut que je le perce, justement, pour faire passer mes vis. Faut que Julien le perce. Exactement. Après, le top, ce serait un petit tac en plastique en 3D, là, tu sais. En impression 3D, ouais. Une impression 3D pour cacher la misère, ouais. Et ce serait vraiment parfait. On va faire marcher notre réseau. Voilà. J'ai mon réseau. Alors j'ai mis donc comme je t'avais dit, j'ai remplacé Buffalo Grill est parti. Tu vois, sympa, hein. Il est très 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 beau. Et tout neuf. Oh là 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 là. Nickel. Non, mais quelle douceur, on dormirait là-dessus. Oui. Oh là là. J'ai démonté, nettoyé tout ça là dedans. Je ne dis pas ce qu'il y avait sous ce cache. Il y avait du sable, de la terre, parce que la folie. Des morceaux de burger. Ok. J'ai fait. Donc j'ai mis un PC, comme je t'ai dit, ça c'est juste pour faire le test, hein. C'est avec le câble HDMI pour l'écran derrière. Ouais, pour faire le test. Et là tu as le cœur du poulet, la centrale. La cuisine. Ah non, la cuisine c'est moi. Regardez. Le cœur du poulet. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Eh bien on a ni plus ni moins qu'un PC un peu en vue, vue éclatée, sans boîtier. Hein. Carte mère, processeur, mémoire, carte graphique, avec un petit truc exprès pour pas qu'elle soit en verticale mais à l'horizontale, sinon ça fermerait pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis de boîtier, parce que avec le boîtier c'est trop épais et ça ferme plus. Il faudrait un boîtier plus. Donc pour l'instant j'ai fait ça sur une planche en bois, j'ai fixé la planche, le dernier. On va quand même faire attention dans les virages. Hein. Non, mais ça bouge pas, hein. Non, je sais. C'est une façon là, de il y a donc la petite carte que je t'avais dit pour sortir. Donc là, on sort sur VGA. Là, on sort sur du DVI. HDMI. Non. DisplayPort. Display. Okay. DisplayPort. Adaptateur vers VGA. Et alors, attention, il faut vraiment avoir un adaptateur compatible. Celui-là est compatible. C'est pas le cas de tous. J'en ai testé d'autres qui ne marchaient pas. Mm-hmm. Donc lui, il convertit vraiment le numérique en analogique. Ça passe sur le VGA. Ça arrive ici. Et lui, il va transformer le signal, adapter le signal VGA, il va le préamplifier, enfin il va l'amplifier au niveau des couleurs RGB, que tu peux encore régler ici, affiner. Et surtout, il va
adapter, ça c'est, la, c'est ce qui part à l'écran de la borne, il va adapter à la fréquence du, de l'écran. Donc là on a un écran sur cette borne qui est en 24 kg je crois. Et donc tu as le 15 kg, le 24 kg et le 31 kg. Et ça évite du coup de rentrer des mauvaises résolutions que l'écran de la borne ne pourra supporter et qui pourra l'endommager. Ensuite il y a ça, ça c'est très intéressant comme carte. Présente-nous cette carte. Puisque en fait le stack d'origine étant en panne, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un PC. Et pour, pour que ce soit plus facile et pour ne pas couper ou saccager le câblage d'origine de la borne, et bien tout simplement cette carte là a été développée par, par Tibal sur du forum Game Over, et on a donc toutes les connectiques qui sont d'origine de la borne et qui viennent dessus, et ici si tu peux t'apercevoir qu'il y a simplement un câble USB qui va se connecter au PC. L'USB c'est pour alimentation ? Non, pas du tout. En fait, c'est le. C'est ce qui envoie les données. Exactement. C'est-à-dire que grâce à tous les connecteurs qui sont ici, on peut faire fonctionner le volant, le retour de force, les lumières. On peut... C'est un périphérique externe. Ça transforme. C'est comme si tu branchais un clavier souris, Logitech, sur ton PC. Ok. C'est ce qui transfère toutes les données autres que l'image, quoi. Ouais. L'image, je l'ai chintée ici, mais normalement tu peux la connecter aussi sur cette carte. Hein. D'accord. Ça, c'est l'alimentation d'origine de la borne, c'est-à-dire l'alimentation qui fait du 220, 12 et 5, plus 12 et plus 5, normalement pour le stack. Alors, il ne te sert pas là. Alors, si, il me sert juste à alimenter ce qu'il y a derrière. Je vais vous montrer. Voilà. En fait. Mais c'est une usine à gaz. Ouais. Je l'ai refait. Ça, c'est ce qu'ils appellent la drive board. Donc, en gros, c'est elle qui va donner le retour de force, les informations de retour de force au moteur qui est derrière. Okay. Voilà. Donc, elle fait le. C'est très important. Là, on a juste l'ampli audio. Alors, j'ai fait ça pour l'instant parce qu'il faut bien le refroidir, parce que ça chauffe quand même pas mal. Et derrière, on a la. Ça, c'est la drive et ça, c'est la motor. En gros, ça, c'est ce qui donne le courant au moteur du volant. Puisque le moteur est en 110 volts. Ah, ça envoie. D'accord. Ça envoie. C'est pas simple, tout ça. Hein. C'est pas simple, mais bon. J'ai changé les ventilos. Pour l'instant c'est un peu de la bricole parce que l'objectif c'est surtout de la rendre fonctionnelle rapidement, mais après on arrangera, je pense que ça disparaîtra au profit d'un PC plus petit et plus sympa quoi. En tout cas, ce qui est intéressant c'est que si demain on arrive à réparer notre stack ou on rachète un stack qui fonctionne, on peut remettre la borne d'origine sans de grosses modifications. Il suffit de sortir les quatre boulons qui sont là, la plaque en fait. Tu remets ton stack d'origine, tu le remoulonnes, tu remets les connecteurs dessus et hop, la borne elle repart d'origine. Il n'y a rien qui est saccagé, qui est coupé, qui est cassé. Voilà. La seule chose que j'ai rajouté c'est ça c'est juste le power que j'ai mis par là. D'accord. Voilà, c'est juste un petit bouton power caché pour allumer la carte mère. Et j'ai modifié aussi, j'ai envoyé des haut-parleurs à l'intérieur, parce qu'il y avait des haut-parleurs que dans le siège. Ah, donc, comme ça, d'accord. Il y en a deux devant et deux derrière, plus un caisson de basse en dessous du siège. Plus un caisson de basse. Ouais, Après, tu as ça que j'ai dû bricoler, toujours grâce à Tibal du forum qui m'a aidé. Puisqu'en fait, ça c'est le potard du volume de la borne, et il était à fond en permanence le volume parce que justement, normalement, ce potard sur une borne comme celle-là, et qui sont en twin, le potard se trouve au milieu dans la petite. La coin. Le truc à pièces quoi. C'est dedans, tu as le potard du volume, tu as le réglage si tu veux, les parties graphiques, enfin tu vois tout ça. Et donc évidemment comme tu le sais très bien, on ne l'a pas donné complète. Pas. Donc il était bloqué à fond, parce que normalement avec les câbles qui sont derrière, tu le connectes à la coin truc. Là. D'accord. Et donc j'ai dû bricoler ça, soulever directement sur l'ampli. Grâce à Tibal, ça marche, c'est cool. Merci Tibal. Exactement, et super gentil, elle m'a beaucoup aidé. On l'embrasse. Ça, c'est
NJZ3, voilà, qui lui aussi est énorme, celui qui a développé la carte, cette carte-là, pour le transfert du signal. Et pareil, ultra gentil, dispo, il est... on l'embrasse. Très bon conseil. Et ouais, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec, au départ, parce que ça, c'est une carte AMD. Et lui, il a fait tous ses essais sur des cartes Nvidia et Intel. Et apparemment, voilà, il a dû me donner une version de bêta, mais voilà. Mais ça fonctionne avec de l'AMD. C'est ça. D'ailleurs, le bouton ne marche pas parce que lui, il est directement connecté, justement, encore une fois, à la Coin Tower. Ah, la Coin Tower. Pas la Tram Tower, ça va. Les caches. C'était la fixation de lui aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que lui est fixé. Alors, ça, c'est un autre membre du même forum, de Game Over. On l'embrasse. Comment il s'appelle Tout le monde l'embrasse. Son nom m'échappe. Mais on l'embrasse quand même. C'est ça. Il a fait ça. C'est lui qui l'a fait, qui les fabrique de manière artisanale. Il s'est vraiment super bien pensé. Hein, on l'embrasse, hein, JB. On embrasse tout le monde. Donc merci, JB. Écoute, on va peut-être remonter un petit peu le volant, relancer une partie et puis faire un. Hein, comme tout ça. Voilà. Juste pour tester. Donc nous allons mettre tout ça dans le four et nous revenons dans un quart d'heure. Pas celui de la borne, hein, on est d'accord, c'est pas le jeu de la borne. On est d'accord. Mais c'est cet âge-là. Ça fait le café. Ça fait bien le café, n'est-ce pas? Là, tu vois, on peut voir qu'il est marqué ici. L'écran. Ouais, en haut. Les couleurs passent ici, pareil, mais il y a un problème de couleur. Et là, tu as le start, le crédit, je sais plus, je crois que c'est le crédit. Insert coin, un truc comme ça. Oh là là. Chanson Daytona. Exactement, un travail avait été apporté à la bande sonore, surtout l'écriture de paroles. Ah, oui. Et là, je suis le premier, j'ai poussé tout le monde. Et oh là là. Point lecture à ils avaient qu'à jouer au board. Non, t'as pas de noise déjà. Cherche le turbo. Non, je cherche la vue. Ah. J'ai mal configuré les boutons parce que normalement, c'est ça. De pouvoir jouer sur une borne d'époque avec un jeu comme ça et tout, il râle. Alors que des gens paieraient cher. Exactement. Combien on a payé? Ouais, la location du camion quand même, c'est pas rien. Et l'essence aujourd'hui? Ouais, non, parlons-en. À 2 euros le litre. Ça fait mal au derche. Hein. Je connais des vins moins chers. C'est n'importe quoi. De la même qualité que l'essence. Je vais me mettre à boire de l'essence si ça continue. On remercie Patrick Michael, Chen Wu, Luzi, Kanturi, Maria Villa. Qu'est-ce que tu en penses pour le 6 janvier? Bon, on va résoudre ce problème de trucs, bien sûr. Pour moi, c'est très bon. C'est très, très bon. Et oui, retrouver cette borne en exclusivité, hein, si cette vidéo est publiée avant. Le 6 janvier. Corsican Games Week. Non, je suis con. Retro Gaming Days. Ouais, voilà. Je vais dire à Paris Games Week, mais finalement, je suis fait un décidément. On te paye pourquoi? Pour transmettre de mauvaises infos. Après, on va. C'est le montant de salaire qui a ça, désolé. On va avoir. T'as le travail que tu mérites avec le salaire professionnel. On va avoir. Rien. Des problèmes avec nos partenaires. Qui sont, je le rappelle, très nombreux. Extrêmement nombreux. Voilà, on les mettra en lien en bas ou pas. Alors, je pense qu'on a un problème de clavier, n'est-ce pas? Ah oui! Oh là là! Et oui, l'homme écrit avec ses pieds. Non, mais normalement, il fait avec ce qu'il peut.
Oh là, oh là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On a pu arriver à quelque chose de très sympa. La vie de la borne, Sega, sera à l'essai. Le 6 janvier, hein, rendez-vous le 6 janvier à la médiathèque là à Limoux avec pas que ça, il y aura d'autres choses, d'autres surprises, mais on les annoncera au fur et à mesure. Merci les gars. Dans le live de dimanche soir. Bravo les gars, bravo surtout Daniel, bravo à nos amis qui nous ont aidés à réparer, à redonner vie à cette borne. On se retrouve très vite, le 6 janvier.